Bon, ici, j'ai une bibliothèque d'images. Je veux en mélanger certaines pour obtenir un montage de différentes photos. Je m'en vais aller chercher une photo qui va me servir de fond. Par exemple, celle-là. Celle qui est ici. Je fais un clic un droit dessus. Je dis ouvrir avec. Si on l'agrandit en tant que telle, elle ressort de cette façon-là. Et donc elle est beaucoup trop grande, puisque si j'utilise les ascenseurs, je vois qu'elle a cette taille. Je fais un zoom arrière pour la visualiser telle que je la veux. Sur cette photo, je vais mettre des feuilles et un porche qui sont dans d'autres photos. Je ferme la photo. Je vais chercher des feuilles. Je fais clic droit, ouvrir avec, paint. Ça apparaît comme ceci. Bien évidemment, ça peut être plus net. Là, c'est parce que j'ai zoomé sur la photo. On va sélectionner dans Accueil, sélection libre, sélection transparente. Je suis le liseré de ma feuille. On peut s'appliquer. Je joins les deux liens. J'obtiens ceci. Je dis copier. Je ferme ma photo. Je vais chercher la photo de support que je voulais, c'était celle-là. Je dis ouvrir avec. Elle est zoomée. Elle est trop grande. Je vais dans l'affichage. Zoom arrière. Je reviens dans l'accueil. Je dis coller. J'ai la feuille qui apparaît. Je veux qu'elle soit transparente. Elle devient transparente. Je la mets ici. J'en veux une autre. Je dis coller. Je la descends. Je la mets ici. J'en veux une autre. Je dis coller. Je la descends. Je la mets ici. J'en veux une autre. Je dis coller, la descends, la mets ici. Ainsi de suite. Ça me satisfait. Je valide en cliquant à l'extérieur avec un clic gauche. La fenêtre disparaît. J'enregistre ceci. J'enregistre pour en faire une photo. Je vais dans Paint, enregistrer sous, clic gauche, image au format JPEG. Je m'en vais sur le bureau. Je lui donne un nom. Projet 1. Je fais enregistrer. Je la ferme. Et je veux maintenant découper un Porsche. Je vais choisir un Porsche, celui-ci. Clic droit. Paint. Clic gauche. Elle l'ouvre. Trop grande. Affichage. Zoom arrière. Accueil, sélectionné, sélection libre, sélection transparente. Je découpe. Blanc. Je découpe. Je découpe. Je suis. Je tourne. Je redescends. Je coupe. Et je rejoins l'endroit de départ. Qui était à peu près là. Ça visualise en faisant ce liseré. Je dis couper, ça disparaît. Je dis fermer, je dis ne pas enregistrer. Je vais chercher ma photo, je dis ouvrir avec, clic gauche, paint. Clic gauche, elle s'ouvre, elle est trop grande, zoom arrière, accueil, coller, c'est tout blanc, sélectionner, sélection transparente, c'est transparent. Et voilà, j'ai intégré sur mon fond avec un vieux fort
des feuilles et un Porsche. Alors bien évidemment, cela peut se faire avec tout un tas de supports. Vous validez à l'extérieur. Vous voulez l'enregistrer. Enregistrer sous. Image au format JPEG. Projet 2. Vous validez. C'est enregistré. Et elle apparaît en tant que photo avec le montage que vous vouliez faire. Voilà, je vous remercie. Au revoir.